Hello, Blocktober, jour 29. On s'approche de l'ultime date de fin du 31 octobre. J'espère que tout va bien pour vous. Vous passez un bon mois. Ce matin, un petit peu fatiguée là, du coup, quand même. Hier, on s'est couché un petit peu tard. Mais tout va bien. Je bois mon petit café dehors. Il doit faire 30 degrés. Enfin, un peu moins quand même, 28 degrés. Mais il fait très très bon. Ce matin, on va aller faire. Des courses, je vois un truc orange dans le jardin. Bon, ce matin on va aller faire quelques courses pour le week-end, puis après la semaine prochaine on n'est pas là, on repart un petit peu dans notre... Attendez, parce qu'il y a une voiture, je tiens le chien. On va aller dans notre ancienne maison puisque je fais un remplacement toute la semaine, donc voilà, vous saurez tout. Et aujourd'hui ça va être, il faut qu'on range la chambre de mon fils tous les deux parce que c'est le bazar et on verra si on va se balader. Et ce soir, fin d'après-midi, on va dans un petit village, d'ailleurs qui s'appelle le Hameau des Sorcières. Vraiment. Il y a une fête d'Halloween, donc on y va ce soir, on y va déguiser. Le petit loulou, il tient pas en place, là, il est au taquet. On va faire ça, puis il y aura une autre fête le jour J de Halloween au village. Donc c'est super, ça nous fait deux fêtes. Donc je pense que, je sais pas quand vous allez voir ce vlog, s'il faut ne m'en voulez pas, ça va être à mon avis dimanche soir, je vais coupler les deux jours je pense, 29-30. Ce sera plus simple, aujourd'hui on va pas faire des choses hyper intéressantes, je vais essayer de vous filmer pour ce soir quand même. Et voilà, je vous dis à plus. Blue jeans, white shirt, walking to the room, you know you made my eyes burn. He was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as a kick inside. You were sorted on the punch rock. I grew up on hip hop, but you fed me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. Last I remember that day we met in December, oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise I'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more. Let this be just before. Say I remember. Say I remember, oh baby. Big dreams, gangster, said you have to leave to start your life over. I was like, no please, stay here. We don't need no money, we can make it over. But he had it out on Sunday, said he'd come on Monday. I started waiting, anticipating and facing, but he was chasing paper. Caught up in a game that was the last I heard. I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise I'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Je viens de finir, je pense, ma petite broderie de Samhain. Je suis très contente. Et le petit détail qui me rend trop heureuse, c'est que j'ai mis un petit fil doré, je ne sais pas si vous allez bien voir là, sur une des fenêtres pour faire une bougie. Puisque comme je vous ai expliqué, il est coutume à Samhain de mettre des bougies aux fenêtres pour honorer nos ancêtres. Et c'est une nuit très particulière où ils vont passer et on dit que ça peut les... Ça peut les appeler, et voilà. Donc c'est le petit détail que j'aime bien. Je pense que cette roue, en fait, j'ai une idée, parce qu'elle n'est pas hyper esthétique dans ma broderie, je parle. J'ai pas fait quelque chose vraiment d'harmonieux et de hyper esthétique.
Donc je pense qu'en fait, cette roue, je vais la mettre dans mon grimoire. Ça pourrait être trop trop beau. Je pense qu'une fois que c'est fini, ça pourrait être une couverture de grimoire. Donc mon grimoire des sabbats. Donc je pense que je découperai le tour et je pourrais la coudre peut-être ou la, je sais pas, la fixer sur mon grimoire des sabbats. Oh, ce serait trop trop bien. Parce que vraiment maintenant, chaque sabbat a vraiment. Enfin, j'y ai mis vraiment de l'intention quand même. J'ai vraiment pris le temps et ça me rappelle vraiment, vraiment la période de l'année. Donc je suis très contente. Il me reste encore 6 à faire. J'en ai fait que 6. 1, 2, non, 5. 1, 2. J'en ai fait 5. Donc voilà. Donc c'est pas ce qui est le plus joli, mais c'est tellement agréable à faire. J'aime beaucoup, beaucoup. Encore merci à Morgane de Renarde Endormie. C'est trop bien. Quelle belle initiative. Ma croix, il manque un peu de marron. Ma croix, elle est un peu tordue. Hein. Bon, c'est la croix des campagnes, on va dire. La croix, vous savez, quand vous faites des randonnées et vous savez pas pourquoi il y a une croix plantée là. C'est un peu ça que je voulais faire. Et ma maison, elle fait très cottage. Ça, on dirait des gouttes d'eau de la cheminée, n'importe quoi. Mais elle fait très cottage. Le vieux cottage en bois, au fond d'une forêt, qui part un peu en cacahuète. Il y a une vieille dame qui boit le thé à l'intérieur et elle vient de faire son feu de cheminée parce qu'il commence à faire froid, c'est la fin d'après-midi. Elle a récolté ses citrouilles et elle s'apprête à faire une soupe, un velouté. Et elle compte bien lire un livre, un conte merveilleux ce soir au bord de la cheminée, à côté de la cheminée avec son vieux plaid à carreaux. Et elle va guetter qu'est-ce qui se passe à la fenêtre ce soir. Voilà. J'aime bien me raconter des petits films, vous voyez. À côté, on dirait une éolienne. En fait, j'étais pas partie pour faire ça, mais je voulais faire comme une éolienne, je sais pas pourquoi. Genre comme dans les films d'horreur, un peu. Et finalement, c'est un arbre. Bon, bref. À plus. On va faire la petite assortiment de tulipes de Émilie. Elle m'a offert plein de tulipes roses. Un petit assortiment de tulipes roses. Et j'ai trouvé un plat comme ça, là, un plat à terrine dans le potager. Donc ça va faire un joli assortiment. Je les ferai bien serrés. Et comme ça, au printemps, ça fera. Ouh, tu vas éternuer. Ça fera un petit bouquet. On pourra. Un petit bouquet de tulipes roses, ce sera trop bien. Avec mon petit loulou, on va mettre la terre et les bulbes. Allez, c'est parti. Parce que cette année, du coup, on ne peut pas mettre de bulbes dans le jardin parce qu'on n'a pas encore planté. Donc, le chien, il est au taquet. Hein. Allez, c'est parti. Il a pris tout. Oh, ça bosse, hein. Oh, ça bosse. Ouf. Mais le pied, comme tu faisais, c'était bien. Non. Allez. Attends, il faut l'étaler celle-ci parce que là, il y en a plein de côté. On l'étale. Fais attention à tes pieds. Hein. On peut mettre quelques pierres. Des petites, pas des grosses. Celle-là ? Ouais, si tu veux les petites, c'est bon. Pas trop, hein, chérie. Vas-y. Non, mais mets de la terre à fond, hein. Oui, je sais. Vas-y. Attends, la pierre, on va la recouvrir. Allez. Octobre restera peut-être.